les Français, la guerre sera finie quand ils pourront lire Le Canard enchaîné et voir ce film merveilleux. Nein, der Herr Hauptmann ist nicht da. Soll ich Sie zurückrufen, wenn er kommt? Zu Befehl, Herr General. Le jour même, j'ai appris l'arrestation de Félix. J'étais loin d'avoir terminé tout ce que j'avais à faire à Londres. Mais Félix arrêté, je ne voulais pas y rester une minute de plus. Je pris la décision de rentrer la nuit même.
Vous n'avez jamais sauté en parachute? Non, jamais. Alors faites attention, je vous prie, au moment où vos pieds toucheront le sol. N'essayez pas de ne pas tomber, au contraire. Pliez vos jambes pour le rouler-bouler, vous comprenez? Oui, enfin à peu près. Go!
mon absence et depuis l'arrestation de Félix, Mathilde est descendue de Paris à Lyon où elle s'est installée et où elle fait preuve d'un grand sens d'organisation. Je décide de la prendre comme adjoint. Je savais déjà par le patron qu'elle était une femme remarquable. Mais elle m'étonne tout de même. Elle est faite pour commander autant que pour servir. Elle est douée de volonté, de méthode et de patience. Elle étudie chaque jour pendant des heures la topographie de l'école militaire de santé de Lyon, devenue le siège de la Gestapo. Et elle a fini par découvrir que Félix se trouve dans la cellule réservée à ce qu'il faut faire parler à tout prix. Elle est d'abord persuadée qu'il faudra user d'explosifs pour ouvrir une brèche dans un mur de la Gestapo. Puis elle renonce à ce moyen d'évasion et de sauvetage et se met à étudier un autre plan pour lequel elle travaille les façons de changer d'aspect. Elle m'a trouvé un nouveau point de chute où j'établis mon poste de commandement. On ne peut imaginer un refuge plus sûr et plus appréciable. Mon hôte, maintenant, est le baron de Ferté-Taloire. Ancien officier de cavalerie, naturellement. Avant la guerre, j'étais un ennemi juré de la République. J'avais formé, avec mes métayers, mes valets de chef et piqueurs, un peloton armé de fusils de chasse et de revolvers, destiné à enlever d'assaut, à cheval, la préfecture voisine en cas d'insurrection royaliste. Ce peloton parfaitement organisé et entraîné existe toujours et assure ma protection éventuelle. Le baron m'avait lui-même proposé que j'organise des parachutages ou des atterrissages sur ses terres. Ses souhaits ont été exaucés au-delà de toutes ses espérances. Étrange carrousel. L'autre, identique, tourne en l'air autour du terrain à basse altitude pour couvrir, par le régime régulier de son moteur, l'atterrissage puis l'envol du premier, qui à son tour se livrera à la même manœuvre. Cette nuit-là, en deux fois, quatre hommes arrivèrent de Londres et quatre autres y partirent. Le Bison, le Masque, Jean-François et Mathilde assurèrent la sécurité de l'opération. Et votre mari, il est au courant de vos activités? Absolument pas. Ma fille non plus. C'est elle. Elle a 17 ans. Gardez pas ça sur vous. Vous avez raison, je vais m'en séparer. Avant même de reprendre ce que je nous appelais la routine, nous allons nous occuper de Félix. Voilà. Je sais que Félix n'a pas de comprimé de cyanure sur lui. Je n'ai pas peur qu'il parle, non, c'est pas ça. Mais il n'a sûrement aucun moyen de se soustraire à la torture. La Gestapo ne vous laisse ni la possibilité ni le temps de vous suicider.
Il faut lui épargner les souffrances qui risquent de s'éterniser des jours, des semaines, qui sait. J'y ai pensé. Il n'y a pas plusieurs solutions. Vous en avez trouvé une? Oui, il faut pénétrer à l'intérieur de la Gestapo et en ressortir avec Félix. Mathilde, je veux sauver Félix. Mais je n'engagerai pas un groupe de combat dans une aventure désespérée. Je n'ai pas le droit de sacrifier qui que ce soit. Il n'est pas question d'un groupe de combat. Avec le masque, Jean-François et le bison, je dois y arriver. Et comment? Et quelle est votre idée? Le bison. Vous pouvez vous procurer votre uniforme allemand? Bien sûr, madame Mathilde. Ben, allez-y. Non, la première difficulté, c'est d'entrer en contact avec Félix pour le prévenir. Là, ça, j'ai pas encore trouvé le lien, mais ça va venir. Parce qu'il faudra que Félix nous attende et qu'il soit prêt. J'essaie moi-même de le faire contacter depuis 8 jours. On dirait que l'école militaire de santé de Lyon a été construite par un architecte allemand. Et on n'y entre pas. Ah non, ça, c'est vrai, pas très facilement. C'est chaud. Merci. Monsieur Gerbier, je n'ai ni le courage de le masque, ni la force du bison, ni la hardiesse de Mathilde. Je ne participerai pas à cette entreprise. Mais je suis sûr que Mathilde et mes camarades réussiront. Ne cherchez pas à savoir ce que je suis devenu. Comment avez-vous fait? Bof. Nous ne nous servirons que de 2 uniformes, Guillaume. Je sais, madame Mathilde. Il n'est pas question de vous laisser faire ça sans moi. Mais il est encore moins question que vous le fassiez avec nous. Rappelez-vous ce que vous me disiez l'autre jour. Vous n'avez pas le droit de sacrifier qui que ce soit. Alors, surtout quand qui que ce soit, c'est vous. Mais Mathilde, ceci est aussi valable pour vous que pour moi, dans l'affaire Félix. Vous permettez? 2 hommes. Ça paraît très normal. Mais 3, ça aurait été trop. Quand il y avait encore Jean-François, vous avez demandé 3 uniformes. Oui, mais au dernier moment, j'aurais pris que le masque et le bison. Tiens, François. Moi, j'avais confiance en lui. Moi aussi, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Mais j'aurais jamais imaginé qu'il nous quitterait comme ça.
Was ist denn da draußen los? Qui est cet homme? C'est ce type qui a été dénoncé par une lettre anonyme. Der Kerl von dem anonymen Brief wird eingeliefert. Lassen Sie ihn reinbringen. Naturellement, Dupont est la seule identité que vous connaissiez. Naturellement. À quelle organisation appartenez-vous? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Vous savez ce que vous risquez. Être fusillé sous un faux nom et que jamais personne ne sache ce que vous êtes devenu. J'ai décidé de quitter ce Havre. Fut un pressentiment. Mais trois jours après mon départ, le baron de Ferté-Talloir et ses hommes étaient arrêtés et fusillés sans jugement. Was ist los? Wir sollen einen hier Inhaftierten, einen gewissen Felix Lepert, nach Paris ins Hauptquartier von Obersturmbannführer Böhmelburg bringen. Felix Lepert? Ja, ein Terrorist. Beeilen Sie sich. Es ist dringend. Steigen Sie aus. Augenblick. Sorgen Sie dafür, dass alles so schnell wie möglich erledigt wird. Dass Sie die Wagen dabei fahren, stoppen Sie vor dem zweiten Tor. Das Tor wird noch nicht geöffnet. Steigen Sie aus.
Ein Krankenwagen der Gestapo von Paris ist da, um den Terroristen Felix Leperc abzuholen. Rufen Sie den Arzt an und führen Sie ihn gleich zu dem Häftling. Souffre beaucoup. Zwecklos. Er wird sehr leiden. Bis zum Ende. Unmöglich. Ich kann eine Sterbende nicht transportieren lassen. Es tut mir leid. Gut, ich werde Meldung erstatten. Herr Hitler? Herr Hitler.
j'ai plusieurs pilules de cyanure. Tu en veux une? Oui, j'ai une. Maintenant, c'est pour 3 semaines. Non. On aurait pu sauver Félix. Non. Rien ni personne. Même pas vous. En plus, vous êtes recherché par toutes les polices. Alors faites-vous oublier quelque temps et revenez. Le premier avion est pour vous. On n'y pensait pas. Et ces générations spontanées de maquis un peu partout. Il faut en unifier le commandement. Les entraîner. Les approvisionner. Non, pour le moment, il n'y a personne pour me remplacer. Et s'ils vous prennent, vous serez obligé de vous remplacer. Madame. Police! Alors, on mange bien chez Germaine? Il y a de la viande à tous les repas et on ne demande pas les tickets? Allez, vérification d'identité pour tout le monde. Allez, allez, en route! Je la garde pour tout à l'heure. Warum Sie schnell? Man wird Sie abholen kommen. Ich will keine Schwierigkeiten haben. Il demande qu'on se dépêche de fumer. On vient nous chercher dans un instant et il ne voudrait pas d'ennui. On a les ennuis qu'on peut. Cette fois, c'est la bonne. Thank you.
sens pour moi que s'il s'applique au patron. Je tiens à lui plus qu'à tout. Plus qu'à tout, mais moins qu'à la vie. Le jardin disparaissant, je voudrais tout de même vivre. Et je vais mourir. Et je n'ai pas peur. C'est impossible de ne pas avoir peur quand on va mourir. C'est parce que je suis trop borné, trop animal pour y croire. Et si je n'y crois pas jusqu'au dernier instant, jusqu'à la plus fine limite, je ne mourrai jamais. Quelle découverte. Et comme elle plairait au patron. Il faut que je l'approfondisse. Il faut... Abteilung! Halt! Erste Reihe, vorwärts, marsch! Lassen Sie die Ketten abnehmen. Jawohl, Obersturmführer. Ketten abnehmen! Erste Reihe, links um. Ohne Tritt, marsch! Zweite Reihe, rechts um, marsch! Dans une minute, vous allez vous tourner. Le dos aux mitrailleuses et face au mur. Vous allez courir aussi vite que vous pourrez. Nous n'allons pas tirer tout de suite. Nous allons vous laisser une chance. Qui arrivera jusqu'au mur sera exécuté plus tard avec les condamnés prochains. On peut toujours essayer. On n'a rien à perdre. Il sait très bien ce que veulent mes jambes. Il se prépare au spectacle. Mais je me sens mieux enchaîné par son assurance que par mes fers. Allez! Je ne veux pas courir. Je ne courrai pas. Lassen Sie Feuer geben. Gib Feuer! Feuer! Nicht aufhören! Kümmert euch nicht um die Rauchbomben! L'important était de bien minuter l'action. C'est Mathilde qui l'a fait. Oh. C'était facile avec les renseignements qu'on avait. Et si je n'avais pas couru? Quelque chose qui ne va pas? Ceux qui sont restés? Non. Je pense à l'officier qui était certain de me faire courir comme les autres. Comme un lapin affolé.
pas beau, la sécurité. Vous en avez pour un mois. L'eau est potable, mais j'essaierai de revenir avec un bidon de vin. Non, non, Guillaume. Défense absolue de revenir avant un mois. Bon. Bon, ben, je vais me sauver. Faut pas qu'on voit la voiture arrêter ici. Sauvez-vous. Soignez votre bras et votre cuisse. Laissez pas s'infecter. D'accord, Guillaume. J'ai laissé un rasoir sur la table. Depuis 3 semaines, je vis seul, comme un animal craintif. J'établis un long rapport pour Londres, et je me fais croire que je suis encore d'une quelconque utilité. Je n'ai jamais revu ni Mathilde, ni personne. Mes liens avec l'extérieur se réduisent à la lecture des 5 livres que Luc Jardy écrivit avant la guerre et qui me tiennent compagnie. La nuit, la disparition de Jean-François ne cesse de m'obséder. Le bison ou le masque? Mais c'est vous. C'est vous.
Je voulais parler un peu avec vous. Depuis quand êtes-vous revenu? 4 jours. Depuis l'arrestation de Mathilde. Mathilde? Nous devons parler d'elle ce soir. Nous le devons, Philippe. Mathilde a été arrêtée le 27. On ne lui a fait aucun mal. Elle a tout de suite trouvé le moyen de nous le faire savoir. La Gestapo a très vite retrouvé son identité véritable et le domicile de sa famille. Comme par malheur, Mathilde avait conservé sur elle la photo de sa fille. Vous devinez le reste. La photo? Oui. C'est la seule faute que Mathilde ait commise. Les Allemands ont senti tout de suite le point de rupture possible de cette femme extraordinaire. La photo. Mais comment a-t-elle pu la garder? Je lui avais dit. C'est merveilleux, Philippe. Elle a supplié les Allemands de lui rendre cette photo. Comment ça? Nous avons reçu un SOS de Mathilde. Les Allemands lui donnent à choisir. Ou bien elle livre tous les gens importants qu'elle connaît chez nous, ou bien sa fille sera envoyée en Pologne, dans un bordel pour soldats revenus du front russe. Telles sont les données du problème. Je suis venu chercher la solution auprès de vous. Mais Mathilde peut s'évader? Non, elle ne peut pas s'évader, pas plus qu'elle ne peut se tuer. La Gestapo est tranquille. La fille et la foi de Mathilde répondent de tout. Elle peut gagner du temps. Combien de temps? Non, nous voilà très loin de la solution de notre problème. Voilà le bison. Il est inutile qu'il sache que je suis ici. Passez dans la petite pièce derrière. Je vais faire des lunettes. Les mêmes. Ah, merci. Des nouvelles de Mathilde? Eh bien? Je sais rien. Quoi? Non, je sais rien. Tout est dans le courrier. Mathilde a été relâchée hier matin. Les Gerbonne et les Arnaud ont été arrêtés cette nuit. Exact? Puisque c'est dans le courrier. Le masque. Vous le saviez? Je ne suis pas chargé du rapport. Mathilde est à liquider d'extrême urgence et par tous les moyens. C'est pas vrai. Je ne toucherai pas à Madame Mathilde. J'ai travaillé avec elle. J'ai eu la mise sauvée par elle. Je l'ai vue dans la cour de la Gestapo à Lyon. C'est une grande femme. Les hommes, quand il le faut. Tant que vous voulez. Mais Madame Mathilde et mon Henri, ça... Jamais. Il n'y a pas à discuter, Guillaume. Elle doit disparaître, elle disparaîtra. Oh, vous ne ferez pas ça. Nous avons d'autres tueurs que vous. Et au besoin, ce sera moi. Vous ne le ferez pas. Vous n'avez pas le droit. Sur le champ de tir, vous auriez eu beaucoup rire comme un champion. Vous seriez tout de même à la fosse commune en ce moment, sans Madame Mathilde qui a trouvé le coup des grenades. Vous ne le ferez pas. Qu'elle nous vende tous, si elle le veut. Elle m'a défendu. Elle vous a défendu. Maintenant, elle défend sa fille. C'est pas à nous de juger. Assez. La question est réglée. Si vous êtes assez lâche pour le faire, je vous descendrai avant.
Arrête! Bah, te fous-moi la paix! T'as rien à m'apprendre! Tu jouais encore au bille que je commandais des hommes de la Légion! Mais bon Dieu, qu'est-ce que vous croyez? Que je vais vous laisser faire ça sans rien dire? Vous êtes fous, non? Et toi, tire-toi. Vous vous y passez tous les deux. Je crois qu'on a besoin d'un homme qui ignore tout des armes dans cette maison inhabitée. Mon ami, asseyez-vous. Et prenez une cigarette, cela fait beaucoup de bien. N'est-ce pas, Gerbier? Vous avez tout entendu. Vous avez raison. Mathilde est une femme merveilleuse. Plus encore que vous ne le pensez. Mais nous allons la tuer. C'est pas possible. Mais si, vous allez voir, mon ami. Nous allons tuer Mathilde parce qu'elle nous en prie. Elle vous l'a fait savoir? Non, mais c'est signé tout de même. Réfléchissez un tout petit peu. Si Mathilde avait simplement voulu sauver sa fille, elle n'avait qu'à livrer une liste de noms et d'adresses. Vous connaissez sa mémoire. Au lieu de faire cela, Mathilde raconte que nos gens changent constamment d'adresse, qu'elle doit retrouver des liaisons, n'importe quoi. Bref, elle se fait mettre en liberté. C'est assez clair. Maintenant, supposez que vous êtes à la place de Mathilde, que vous êtes obligé de livrer vos amis, et que vous n'avez pas le droit au suicide. Je voudrais qu'on me descende. Vous pensez que vous êtes plus courageux et meilleur que Mathilde? Vous m'excusez. Bien, vous prendrez une voiture allemande. Le masque conduira. Et je serai avec vous derrière. Mais qu'est-ce que c'est que cette folie? Je suis sûr que Mathilde aimera me voir. Je vous en prie. Ce n'est pas votre place. C'est un ordre. Il n'y avait pas besoin de ça, patron. Vous êtes sûr de ce que vous avez avancé tout à l'heure au sujet de Mathilde? Est-ce que je sais? Il est possible que cette hypothèse soit juste. Il est possible aussi que Mathilde ait voulu revoir sa fille et qu'il lui soit devenu moins facile de mourir. C'est ce que je voudrais apprendre. Je me devais de revenir près de vous pour le plus difficile. Vous, dans cette voiture de tueur, il n'y a vraiment plus rien de sacré dans ce monde.